Bonjour, moi c'est Léna et bienvenue sur ma chaîne. Dimanche dernier, je vous montrais un petit peu ce qui s'est passé pour moi à Angers avec mon amie Hélène, mais je n'avais pas fini de visiter cette belle ville qui est un peu plus au nord par rapport à moi tout de même. Et j'aimerais vous en parler encore un petit peu, vous montrer quelques plans de la jolie cathédrale et vous faire visiter son intérieur. Vous montrer les rosaces aussi, vous verrez quelques-unes des rosaces. L'orgue aussi que vous voyez juste ici, incroyable orgue massif mais qui n'a peut-être pas été accordé depuis bien longtemps. Et puis vous montrer les vitraux, l'architecture gothique à l'intérieur, reconnaissable par ses voûtes et ses arches. Je vous parle d'architecture gothique, mais le style est entre roman et gothique. D'ailleurs, il existe une forme d'architecture gothique qu'on appelle l'architecture gothique angevine, donc de la région d'Anjou, qui est un petit peu différente. On n'a pas des voûtes tout à fait de la même manière, des voûtes qui sont un petit peu moins... Enfin, l'arc-boutage n'est pas exactement le même. Bon, c'est un petit peu complexe et puis surtout, il faut prendre l'œil un petit peu pour s'adapter et comprendre comment fonctionne ce type d'architecture. En tout cas, c'est une cathédrale très intéressante avec de beaux vitraux et des rosaces qui racontent une grande histoire biblique mais humaine aussi. Et toujours très intéressant pour moi. Ici, on a les contreforts de l'ancien château avec l'escalier qui était encore plus ou moins apparent, un escalier en colimaçon, mais on ne le voyait plus. Enfin bon, passons à autre chose, puisqu'ici il ne s'agit plus de Paris d'architecture, mais de petits chats. Alors là, bon, je passerai sur ce qu'ils sont en train de faire, et nous allons aller vers ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'intérieur de ce bar à chats, dans lequel il se passe des choses assez intéressantes. Vous pouvez mettre sur pause pour lire le bon à savoir. Il s'agit d'un bar à chats dans lequel les chats sont mis à l'adoption en attendant de trouver une maison un petit peu plus stable. Et ils nous ont proposé différents petits gâteaux, dont ici un brookie que nous avons mangé avec un petit thé. C'était délicieux, on était très contentes. Les chats étaient très sympathiques et pouvaient aller se relaxer tranquillement dans plusieurs lieux. Alors des lieux où les humains sont présents, certes, mais aussi une salle tout au fond qui n'est que pour les chats, dans laquelle nous n'avons pas le droit de rentrer, ce qui est assez rare dans certains bars à chats, qui sont parfois des lieux un petit peu d'exploitation des chats, dans lesquels ils ne sont pas particulièrement reposés, ils sont beaucoup stimulés. Et là, eh bien, c'est quand même un petit peu plus, comment dire, consciencieux. Et c'était très agréable de s'y trouver, il y faisait chaud et bon. Et malgré le fait que nous étions toutes les deux, Hélène et moi, particulièrement fatiguées car nous n'avions pas beaucoup dormi, ça nous a tout de même fait du bien. Et puis une petite marche dans le jardin des plantes, ce jardin un petit peu agencé et à l'anglaise, plutôt sympathique comme lieu, quand même 5 hectares, non 4 peut-être, non 4 hectares, dans lesquels on retrouve beaucoup de plantes botaniques différentes. C'était assez intéressant, mais surtout un petit parc où on peut interagir avec les animaux, les chèvres, les lapins. Il y avait plein de petits lapins très mignons et beaucoup d'enfants et de gens plus grands, hein, comme nous par exemple, qui s'émerveillaient aussi de voir toutes ces petites bêtes faire leur vie au sein du parc et de voir aussi des lapins, mais minuscules. J'ai peut-être une petite photo, mais vous vous rendez pas compte sur la photo de sa taille au lapin, je vous la mets juste ici. Et puis bon, la journée se finit, on passe à autre chose et il faut que je rentre chez moi. Alors tôt, très tôt le matin, il ne fait pas encore jour, eh bien je pars avec ma valise sur les pavés. Vous n'imaginez pas le bruit que ça fait là à ce moment-là, ou peut-être que si vous imaginez, mais ça fait beaucoup de bruit. J'arrive enfin à la gare dans laquelle il y a cet agencement où j'aimais beaucoup les plantes comme elles étaient suspendues. Et puis hop, on va jusqu'à Lyon et on rentre. Alors on attend le train. Il n'y a personne. Quand est-ce qu'il va arriver? On ne sait pas, puisqu'il y avait un peu de retard apparemment, 2 minutes seulement, puisque finalement la SNCF reste tout de même assez à l'heure. Et une fois dans le train, eh bien, la vue était magnifique, le soleil était en train de se lever, c'était comme un début de film. Et d'ailleurs, en parlant de film, j'ai regardé Crazy Stupid Love, que j'avais déjà beaucoup vu, un film de 2012 avec Ryan Gosling, Emma Stone. Comment s'appelle-t-il celui-ci? C'est Carell, Steve Carell, oui, qui joue aussi dans The Office. Bon, assez agréable de pouvoir regarder ce film-ci, en attendant que le jour se lève véritablement, comme c'est le cas enfin ici, avec un beau ciel bleu dégagé, une belle journée pas très chaude, mais
très ensoleillé. Je rentre petit à petit jusqu'à chez moi, mais je n'y suis pas encore tout à fait. Et là, la gare de Lyon, ça y est, on y est. Et puis, retour à la maison. J'espère que demain sera une belle journée. Et j'en avais de la chance puisque c'était une belle journée très ensoleillée. Une journée durant laquelle ma copine Maëlys, que vous avez déjà vue et qui est juste ici, et moi sommes allés à la ressource. Je vous en ai déjà parlé. Alors là, on a trouvé plusieurs fruits en bois, une carambole que j'avais dans la main il y a 2 secondes, une banane juste ici, plutôt bien faite, je trouve. Ça, par contre, c'était assez mal fait. Je suppose que ça devait ressembler soit à une tomate cœur de bœuf, soit peut-être à un petit melon, une petite citrouille, je ne sais pas. On laisse tout ça tranquille et on va voir autre chose. On continue un peu vers les miroirs, tout ce qui est surface réfléchissante pour faire des coucous comme à mon habitude. Ensuite, on regarde comment est-ce qu'on habille aujourd'hui. Outfit check, disons. Alors voilà, moi j'avais une petite robe Maëlys, un joli pantalon avec ce blazer, la veste qu'on avait acheté ensemble, si je ne me trompe pas, à la remise, c'est un peu différent. Et on continue notre tour et regarde un peu à droite à gauche ce qui pourrait nous intéresser, mais plus particulièrement là, on va aller vers les timbres, les cartes et les petits papiers. Personnellement, comme je fais beaucoup de scrapbooking, mais aussi juste de collage, je réutilise, je fais des petits théâtres dont je vous ai peut-être déjà parlé, mais je sais pas si vous en avez déjà vu des miens. Bref, je fais plusieurs petites choses avec des papiers et on a trouvé ce qui nous plaisait. Je cherchais aussi des livres, beaucoup de livres. Là, j'ai vu les contes d'Andersen, que j'aime beaucoup, et puis la Serpe d'Or d'Astérix Obélix. J'ai les intégrales albums, mes parents ont, mais j'ai lu les intégrales albums Astérix Obélix, album double, voilà, et j'ai toujours adoré. Puis les contes d'Andersen, bon, j'avais pas cette édition magnifique, mais j'en ai une aussi chez moi pour le coup. Et alors on continue notre tour et on se dit qu'avant de prendre des livres très lourds, puisqu'on allait certainement en prendre beaucoup, il nous fallait aller voir un peu plus loin vers la vaisselle, le mobilier et les vêtements. Alors j'étais en train de me refaire complètement mon intérieur dans ma tête, hein, puisque je n'ai pas encore la possibilité de refaire mon intérieur. En plus je n'ai même pas de camion ni de voiture pour déplacer tout ça, donc bon, j'essaye de m'imaginer quand même un nouvel intérieur avec de nouvelles chaises, de nouveaux mobiliers. Il y avait celle-ci en cuir qui pouvait peut-être me plaire. Il y avait quelques canapés aussi qui me parlaient plutôt bien. Alors celui-ci en canapé d'angle, j'aime pas du tout, mais cette chaise-ci à oreille, ça me plaisait plus. Un piano, pourquoi pas, mais je joue peu de piano. Par contre, cet agencement-ci, là, avec ces canapés bas, ras le sol, ça me plaisait plus particulièrement et ça me donnait envie peut-être de tester, voir ce que je pouvais faire avec ça. Il y avait aussi ce petit bureau, un petit peu mosaïque, ça me plaisait pas mal. Un lecteur peut-être vinyle, pourquoi pas. Bon, j'en avais un avant, mais je n'en ai plus, donc ça ne me servait à rien, mais je trouve toujours que ça peut être sympa comme esthétique. Et cette chaise verte que j'adorais. Je vous montre que j'ai trouvé aussi un livre ici, et puis une machine à coudre. Alors, c'est pas une machine à coudre Singer, je ne me rappelle plus la marque, mais très sympathique. Bon, par contre, un fonctionnement un peu plus complexe et un petit peu plus fastidieux qu'avec ma machine actuelle. Ici, des gants solitaires, que vous avez vu juste avant, si vous souhaitez acheter un seul gant et non pas deux. Et puis, on passe aux chaussures, et là, j'ai trouvé la perle rare, c'est-à-dire des chaussures à paillettes bottines. Bon, il en existe certainement un peu partout, mais de seconde main, on n'en trouve pas souvent. Ça n'était pas ma taille, malheureusement, mais si ça avait été ma taille, j'aurais pris, bien entendu, ces belles chaussures. On continue à chercher un peu. Miley cherchait un blouson un peu en cuir. Elle n'a pas trouvé son bonheur à cet endroit-là, mais ça nous a permis de regarder un peu ce qu'on pouvait trouver. Là, on essaye des couvre-chefs, on rigole un peu, et puis on va passer à autre chose, c'est-à-dire aux livres. Et j'en ai pris beaucoup, et là je suis de retour de chez moi, pardon, et j'ai trouvé tous ces beaux livres, pour la plupart que je vais démanteler, pour pouvoir les réutiliser pour autre chose, comme c'est le cas ici, là vous voyez, hein, les couvertures ont été démantelées, démontées, et puis j'en ferai autre chose. Bonjour, alors, aujourd'hui je refais mon mur, enfin non, je refais pas mon mur, n'importe quoi, on oublie ça. Je reprends ce que j'avais commencé à entreprendre sur le mur qui est juste en face de moi, que je vais vous montrer dans un instant pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Je vous montre. Du coup, coucou, on se rappelle de ce mur-ci,
J'avais installé un mur que des fois j'appelais un peu mon mur d'art, sur lequel j'ai mis des choses qui me plaisent, certaines choses que j'ai faites, des choses que j'ai achetées, que j'ai chinées, que j'ai trouvées. Et il y a ce cadre avec ce poster que j'aimerais peut-être, enfin que je, c'est pas peut-être, celui-ci c'est sûr, je veux l'installer. Celui-ci c'est une de mes productions personnelles. Et j'hésite à peut-être l'y mettre aussi. Sauf que j'ai des murs quand même très hauts. Et à installer, ça va être peut-être un peu compliqué, sachant que je vais certainement monter sur cette table pour me rajouter bien sûr de la hauteur, mais ça reste eh ben, pas très conseillé de faire ce genre de choses. D'ailleurs, je ne vous le conseille pas. Mais je veux voir jusqu'où est-ce que je peux monter pour pouvoir éventuellement installer déjà au niveau du clou ici et un petit peu plus haut peut-être aussi. Bon, je vais faire mes tests et voir ce que ça donne pour ces deux-là. Voilà où j'en suis pour l'instant. J'ai pu mettre celui-ci et juste là à côté, un peu plus haut, je vais mettre celui que j'ai laissé juste ici. Donc bah, je m'y remets dans un instant. Je vais vous montrer un peu ma technique. Je crois que je vous l'ai peut-être déjà montré dans un autre vlog. Je vais utiliser du scotch de peintre pour prendre la mesure de ce cadre et surtout de ces accroches qui sont derrière parce qu'il en a deux. Et pour pouvoir appliquer ces mesures exactes sur le mur là-haut pour que je ne me trompe pas quand je vais venir appliquer mes clous. Et pour que ce soit sur une ligne droite. Enfin, j'espère. Je vais vous expliquer ça un peu plus précisément parce que là, ça peut peut-être paraître un peu flou. Et je vais vous montrer ce que ça donne une fois que c'est installé. J'ai hâte. Bon, ça y est, je vous explique un petit peu. Alors, je vais avoir besoin de mes deux mains. Donc là, je dépose le scotch de peintre et puis je vais vous montrer un peu comment est-ce que je m'y prends. Je vais tirer le scotch de peintre le long de mon cadre en faisant passer le scotch de peintre sur les attaches et je calculerai ensuite la hauteur entre les attaches et le haut de mon cadre pour savoir combien est-ce que j'ai de centimètres entre le haut du cadre et le début des attaches. C'est-à-dire que le trait que je vais faire au-dessus de mon cadre, quand je l'aurai placé comme je le souhaite, à la hauteur que je voudrais le voir apparaître, eh bien, depuis ce trait, je calculerai, là je crois que j'avais 6 ou 8 cm, donc 8 cm, et je vais venir ensuite placer en dessous de ces 8 cm mon scotch qui va représenter la ligne eh bien la ligne tout simplement de placement des petites attaches, sachant que il y a les petites marques que j'ai faites, qui sont les marques bleues, qui permettent de comprendre un petit peu où est-ce que je dois planter mon clou. Tout simplement. J'espère que c'était clair. J'ai l'impression que j'ai eu un petit peu du mal à vous donner des explications claires, mais peut-être que pas du tout. Peut-être que vous avez très bien compris. J'espère que c'est le cas. Bon, je voulais aussi préciser que j'ai attendu que mon chéri rentre à la maison pour installer le dernier cadre, puisque je me suis dit, bon, il faut que j'arrête de me mettre en danger pour rien. Donc j'ai attendu qu'il rentre pour me faire un peu la parade, tenir correctement la chaise et être sûre que tout se passe bien. D'ailleurs, en parlant de mon chéri, on est allé aujourd'hui, enfin aujourd'hui, ce jour-ci, puisque à l'heure où je vous parle, on n'est plus le même jour. Bon, bref, on est parti durant cette journée très belle et ensoleillée, faire une petite balade, monter un peu les marches de la Bastille et aller jusqu'en haut, observer un petit peu le paysage et la belle journée qui se proposait à nous, nous permettait de voir
très loin et d'observer aussi les montagnes au loin, comme vous les voyez là sur cette petite vidéo ici. L'histoire de la Bastille qui est un fort militaire, est une histoire que je trouve assez intéressante et qui commence assez tôt, puisque l'histoire de la Bastille commence même au XVe siècle avec eh bien, des bâtiments, une maison et ensuite une petite forteresse qui ont été construites. J'ai un plan par exemple du XVIIe siècle avec un début de bâtisse sur le haut de l'endroit où se trouve l'actuelle Bastille. Mais bon, ça ne s'appelait pas la Bastille, ça n'avait pas du tout aussi les mêmes rôles. Mais c'est une histoire assez farfelue, je vous inviterai d'ailleurs, si ça vous intéresse, à vous renseigner un petit peu plus. Ou peut-être que je vous ferai une vidéo à ce sujet-là. J'ai essayé de vous montrer en bas à gauche le lieu où il y a la brocante sur le parking de l'Esplanade, certains dimanches. Et puis, hop, au loin, vous voyez les belles montagnes. Bon, la journée va se finir et le vlog se termine lui aussi juste ici, un petit peu en musique si je peux, je sais pas si la qualité de son sera assez bonne, mais il y avait une fanfare sur la place Victor Hugo, place sur laquelle il y a actuellement d'ailleurs le marché de Noël auquel je participe. Et bon bref, c'était très sympathique, une belle fin de journée, même si le temps avait un petit peu changé, et voilà. Je vous laisse ici, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous laisse écouter un petit peu la musique tranquillement et je vous reprends dans un instant. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette petite vidéo et à vous raconter un petit peu des petites histoires, voilà. Et j'espère vous revoir dimanche prochain. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de vous abonner et je vous dis à dimanche prochain, si tout va bien. It goes straight.